Nous avons signé le deuxième contrat justement en matière de soutien et de développement et désendettement pour le pays. 65 millions d'euros que la France va investir pour accompagner le travail de modernisation, de transformation de la RDC du président Tshisekedi. Nous avons beaucoup parlé ensemble. D'abord, nous serons aux côtés du président pour la sécurité, en particulier à l'Est, contre les groupes armés, les groupes qui pactisent avec Daesh pour lutter activement contre ceci, avec de la coopération en matière de renseignement, de la coopération militaire très clairement concentrée à l'Est, une action déterminée et une action diplomatique aussi pour sanctionner les leaders de ces groupes dans le cadre des Nations Unies. Et donc la France est pleinement engagée aux côtés de la RDC pour lutter contre ces groupes armés qui déstabilisent le pays et qui aujourd'hui, pour certains, ont pactisé avec Daesh. Et je souhaite que tous les pays de la région puissent être engagés aux côtés du président Tshisekedi. Ensuite, je souhaite que nous puissions accompagner, dans le cadre de ce deuxième C2D, le président, dans les grandes ambitions qu'il a lancées. En matière éducative, nous allons investir au moins 15 millions d'euros dans ce sujet pour accompagner d'abord ce formidable projet de gratuité d'éducation et en particulier nous engager sur la formation des maîtres, qui est un sujet auquel je tiens beaucoup. On mettra donc au moins 15 millions d'euros et engager aux côtés de cette coopération bilatérale le partenariat mondial pour l'éducation. Vous savez qu'avec le président Macky Sall l'année dernière, nous avons fait beaucoup en la matière. Et donc pour engager très fortement aussi le partenariat mondial aux côtés de la RDC qui a un vrai défi démographique, 2 à 3 millions de jeunes à former chaque année, il nous faut être là. En matière de santé, vous savez que la France a été présente à travers la mission Ebola, confié au professeur Lévy, qui a fait un très gros travail ces derniers mois. Il continuera, au-delà de ce qui a été engagé, 75 millions d'euros, et un très gros travail technique, scientifique, il continuera à être présent et nous déploierons cette feuille de route dans les prochains mois, partenariale, à la fois d'urgence, mais aussi de coopération scientifique et de stabilisation du système de santé. Et la stabilisation, la reconstruction du système de santé dans toutes les régions, aux côtés du président Tshisekedi, est un point pour nous très important. En matière d'agriculture, en matière d'énergie, en matière d'environnement, où un travail formidable est fait sur la forêt. La France a cru, comme vous le savez, ces derniers mois, son implication dans l'initiative dite CAFI. En matière de numérique, le président se rendra à Station F, et je souhaite qu'il soit un acteur important de Digital Africa. En matière de francophonie, nous sommes les deux premiers pays de la francophonie. Là aussi, nous multiplierons les actions concrètes pour nous réinvestir très fortement et la France sera au soutien des initiatives prises par le président. Voilà le partenariat, si je puis dire, à la fois bilatéral et régional que je souhaite renforcer avec le président. Il reviendra au mois de juin prochain pour le sommet Afrique-France avec là aussi beaucoup de sujets que je souhaite mettre à l'honneur en matière culturelle, en matière linguistique, intellectuelle, politique, en matière de ville durable aussi, qui nous permettront de poursuivre cela et je me rendrai ensuite moi-même à son invitation en RDC. Mais je suis très heureux que le président ait passé ce temps à Paris et que nous ayons ainsi redéfini, après la visite en mai dernier du ministre Le Drian, les bases fortes d'un partenariat renouvelé. Il y a plusieurs domaines que nous avons balayés et je suis heureux de voir la France revenir en pointe là-dessus. Dans la coopération, il y a de l'aide. La coopération, c'est de l'amitié. C'est excellent.